Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir invité la défenseure des droits, le défenseur des droits, enfin, la défenseure Claire Hédon que je représente aujourd'hui et qui m'a demandé de vous saluer, évidemment ne pouvant pas être parmi vous aujourd'hui. Et puis vous remercier de nous avoir associés tous les trois ou tous les quatre dans cette table ronde où je me sens particulièrement en bonne compagnie. Vous l'avez dit, effectivement, la question du point de vue est importante et je voudrais commencer par dire rapidement d'où, au-delà de ce que vous avez évoqué jusque-là, d'où le défenseur des droits parle de la question des services publics. Avant d'expliquer le lien qu'on fait, comme vous le disiez tout à l'heure, entre services publics et droits, et puis de porter une série de constats sur cette base, sur les services publics. D'abord, effectivement, le défenseur des droits, on travaille à partir des réclamations que l'on reçoit. Une grande majorité traitée par les délégués du défenseur des droits, dont un éminent représentant se trouve juste à ma droite, mais je le laisserai peut-être en parler plus librement s'il le souhaite, se trouve traitée des réclamations qui émanent de personnes qui se considèrent lésées par la façon dont elles ont été traitées par un service public, soit pour une absence de réponse, soit pour une soit pour des délais de traitement abusifs de leur demande, soit pour un déni de droit, j'allais dire, sur le fond et sur l'application de la réglementation. La conséquence de cette approche, j'allais dire, hein, qui contribue quand même à ce qu'on reçoive environ 100 000 réclamations les dernières années sur les litiges d'usagers de services publics, c'est que, évidemment, on ne voit que ce qui ne fonctionne pas. On ne voit que là où il y a des litiges, là où il y a des difficultés, et on ne voit, j'allais dire, que la pointe émergée de l'iceberg de ce qui ne fonctionne pas, mais à partir de laquelle pointe, on peut néanmoins porter un certain nombre de constats. On n'est donc pas dans une évaluation globale du fonctionnement ou du dysfonctionnement des services publics, et Lucie pourra en dire plus de ce point de vue-là à partir du travail que nos services publics a conduit, mais dans l'identification, à partir de situations individuelles et du dialogue qu'on peut conduire avec les services publics sur ces situations-là, une identification de dysfonctionnement, de manquement ponctuel ou systémique qui aboutissent à léser les usagers de services publics dans leurs droits. Voilà un peu le point de vue à partir duquel on construit notre analyse ou notre discours. Ensuite, je voudrais expliquer, je dirais, le lien qu'on fait entre service public, droit et État social, puisque c'est effectivement le thème de vos universités d'automne et de ces deux journées, en essayant d'être complémentaire aussi de ce qui a été dit. Je ne pouvais pas être là hier, mais j'ai vu un peu sur Twitter les différents propos, et donc je vois un certain nombre d'éléments qui ont déjà été posés, et puis une série de constats. Je voudrais commencer en ayant un peu le regard tourné vers les principes, ce qui est aussi notre rôle. D'où vient le service public ? Il vient, je crois, de façon assez évidente, des déclarations des droits. Pas ici que je vais l'apprendre ou innover en le disant. Ils viennent, entre autres, de celle de 1789, qui dit bien que le but de toute association politique est la conservation des droits. Des droits imprescriptibles, des droits. Le but, c'est les droits. Et pas historien, mais si je regarde à grands traits ce qu'on peut observer sur la constitution progressive de l'État social et des services publics, on voit qu'on tire finalement peu à peu les conséquences de cette idée en considérant que le droit à la sûreté, que la liberté suppose une force publique instituée pour l'avantage de tous et financée par une contribution commune, que l'application de la loi suppose une institution judiciaire, que l'égalité des citoyens se traduit par l'égal accès aux charges et aux emplois publics, plus tard, que c'est le droit à l'éducation qui va fonder l'école publique gratuite, laïque et obligatoire, que c'est encore la déclaration des droits, on en parlait tout à l'heure, droit de l'homme, de 1946, qui va fonder les droits créances qui sont le socle de notre protection sociale, contre les risques fondamentaux de la vie, vieillesse, maladie, invalidité, on en parlait juste avant, et que c'est le droit au travail qui va fonder l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Dès lors, pour être effectif, ces droits doivent être étayés par des institutions publiques ou des organismes investis de missions d'intérêt général, comme c'est le cas de des organismes privés de sécurité sociale, mais en tout cas des institutions qui sont chargées de les mettre en œuvre, ce que vous évoquiez juste au début. Et donc, l'idée, c'est que c'est bien au nom des droits que vont se constituer les grands services publics de notre pays au fil du temps. À chacune des grandes étapes de l'histoire de la République, la conquête de nouveaux droits s'est faite par l'extension du domaine du service public. Il y a deux leçons assez simples à tirer de ce constat lui-même assez simple. C'est que d'une part, à rebours,
On peut estimer que chaque fois que le service public recule, ce sont aussi les droits qui reculent. Et d'autre part, se rappeler que, encore une fois, depuis 1789, avec cette articulation que j'évoquais, les droits viennent avant les devoirs, et non l'inverse. Et les devoirs ne sont institués que pour autant qu'ils sont nécessaires au respect des droits. Je crois que c'est une question que vous avez évoquée hier déjà sur l'évolution de l'État social et le rapport entre droits et devoirs. Une fois ces éléments assez généraux de principe rappelés, les quelques constats que nous posons aujourd'hui aux défenseurs des droits sur l'effectivité des droits d'usagers de services publics. D'abord, un point transversal assez bien connu sur la question de l'accès aux services publics. Avec les fermetures de guichets, avec la tendance au tout numérique, les services publics exigent de plus en plus de l'usager qu'il s'adapte lui-même aux contraintes que lui dicte la modernité administrative, inspirée, elle, par des objectifs d'efficience, comme on dit, c'est-à-dire de réduction des coûts de production du service. Il nous semble que c'est dans ce mouvement une source d'atteinte aux grands principes du service public qu'on résume souvent autour des lois de Roland, hein, continuité, égalité, adaptabilité du service public. Où est l'égalité avec cette tendance au tout numérique lorsque 13 millions de Français sont en difficulté aujourd'hui avec le numérique et risquent de ne pas avoir accès à leurs droits? Où est la continuité du service public si le guichet qui était auparavant près de chez vous a fermé et que vous ne pouvez pas effectuer votre démarche en ligne sous prétexte que vous résidez dans une zone blanche ou que vous avez une difficulté d'accès? Où est l'adaptabilité du service lorsque c'est lui qui vous demande de vous adapter et non pas lui qui s'adapte à vos besoins et votre situation? Tel est l'angle sous lequel nous considérons que doit être analysée la transformation de l'accès du service public à l'heure du numérique. Ensuite, au-delà de cette question de l'accès sur laquelle nous avons produit un certain nombre de documents qui, je crois, ont contribué à faire évoluer, sinon encore complètement les pratiques, du moins les réflexions et le débat public sur l'accès aux services publics, hein, avec le rapport de 2019 du temps de Jacques Toubon sur la dématérialisation des services publics, puis celui que nous avons produit avec Claire Hédon en 2022 sur le bilan des évolutions trois ans après. Au-delà de cette question donc, de l'accès sur laquelle un grand nombre de combats restent encore à mener, il nous semble qu'il faut aussi s'interroger sur la façon dont les services publics nous permettent, ou non, de nous sentir sujets de droit, de nous sentir titulaires et sujets de droit. Vous l'avez évoqué, je crois, hier, en matière sociale, notamment, quand la logique de contrôle prend le pas sur la logique de conseil et de service, quand la suspicion de fraude mine la confiance entre administration et usagers, alors le risque, c'est que nos institutions éloignent les personnes de leurs droits, créent ce qu'on appelle, d'un mot qu'on pourrait discuter d'ailleurs, du non-recours, et au fond finissent par fragiliser notre politique, les politiques sociales et notre tissu social. La réponse à ces constats, la réponse à laquelle on appelle du côté du défenseur des droits, c'est au fond tout simplement le développement de ce qu'on pourrait appeler une culture des droits dans le service public, c'est-à-dire au fond le fait de remettre au centre des politiques et des pratiques du service public l'accès aux droits et l'effectivité des droits des usagers. Pour une autre façon de le dire, c'est que c'est à condition d'être tourné vers les droits que les services publics pourront être, selon le mot célèbre du sociologue Robert Castel, la propriété de ceux qui n'en ont pas. Pourquoi je cite Castel? Vous allez évoquer, je crois, un peu plus tard, les questions de citoyenneté et la façon dont il a conceptualisé l'objet de citoyenneté sociale comme étant finalement la nécessité de réunir des conditions sociales pour l'effectivité de la citoyenneté politique, nous semble centrale dans la façon dont on doit analyser le rôle et l'enjeu des services publics. On a d'ailleurs vu d'un très bon œil le fait que le nouveau vice-président du Conseil d'État, Didier Roland-Tabuteau, reprenne à son compte cette expression des services publics comme la propriété de ceux qui n'en ont pas et place sous le signe du service public son mandat à la tête du Conseil d'État. Alors, qu'est-ce que c'est les droits des usagers de services publics, ceux avec lesquels nous travaillons, ceux dont nous considérons qu'ils doivent être placés au centre de l'organisation et du fonctionnement de ces services publics?
d'abord, mais pas uniquement, ce qui est écrit dans le Code des relations du public avec l'administration, qui rassemble au fond des règles générales, souvent procédurales, qui portent précisément sur cet objet qu'est la relation, dont je voudrais parler maintenant, en partie indépendamment de la matière qui est en jeu, qu'elle soit sociale, régalienne, quelle que soit la nature du service qui est rendu. Ce code définit un certain nombre de règles procédurales que les services publics doivent respecter. Ça formalise certains droits transversaux, droit à l'information des usagers, droit à l'erreur, dont on a beaucoup parlé, qui est au fond, si on le regarde d'un peu plus loin, au fond, un cas particulier de la présomption de la bonne foi. Que dit le droit à l'erreur? C'est que finalement, c'est à l'organisme de démontrer la fraude s'il considère qu'il y a fraude, ce qui est au fond une application particulière de la présomption d'innocence, hein, si on l'élargit de façon plus générale. C'est aussi de plus en plus, un point qui est important de mettre en avant, le droit à la participation des usagers, des citoyens, qui est formalisé plus spécifiquement en matière d'environnement, mais qui a vocation à irriguer l'action publique de façon plus large grâce à l'expertise irremplaçable des usagers que l'on consulte encore trop souvent de façon superficielle ou de façade. L'usager a le droit d'être écouté, d'être entendu, y compris quand c'est un enfant. La défense des droits s'occupe aussi des droits de l'enfant et la participation des enfants aux politiques qui les concernent est un élément très important aussi constitutif des droits de l'enfant. Mais plus largement, le droit des usagers de services publics, c'est aussi un droit riche de contenu, droit à l'éducation, droit à la santé, droit même à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Hein, c'est ce sur quoi le défenseur des droits consacrera son prochain rapport annuel sur les droits de l'enfant, qui est évidemment un sujet de présent et d'avenir pour nous. Et ce que nous voulons dire, c'est que tous ces droits doivent être autant d'horizons pour les acteurs du service public, autant d'impératifs très concrets que l'on doit définir comme les devoirs qui incombent aux administrations. Si on veut pousser la logique des droits et devoirs, c'est, semble-t-il, dans ce sens-là. Alors, quelles conséquences en tirer? Eh bien, ce que nous disons, c'est que pour être cohérent avec ces principes, il faudrait que les politiques publiques soient évaluées à l'aune de leurs effets sur les droits des usagers, de toutes et tous, de toutes et tous les usagers, même de ceux qui, en situation de non-recours, ne sont pas à l'instant T usagers d'un service public. Il faudrait alors que les managers de ces services publics soient eux-mêmes évalués à partir de l'impact réel de leurs décisions et de leurs pratiques sur l'effectivité des droits de toutes et tous. On voit le chemin qu'il y aurait à parcourir pour cela. Mais c'est d'autant plus important que c'est, nous semble-t-il, le sens de l'engagement des agents publics, l'effectivité des droits, agents publics que nous ne mettons évidemment jamais directement et personnellement en cause lorsque nous dénonçons les dysfonctionnements qui aboutissent à ces atteintes aux droits. Engagement qui est le sens de cette activité, même quand les conditions de travail sont aujourd'hui très difficiles pour un grand nombre d'agents publics, avec les enjeux d'attractivité que l'on connaît et sur lesquels peut-être les intervenants ultérieurs auront à s'exprimer. Pour conclure, et respecter assez largement le temps qui nous a été donné, je dirais que ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans ce contexte, c'est la tendance d'un grand nombre de services publics à pousser très loin la logique de séparation entre les fonctions de traitement des demandes et les fonctions de relation avec les usagers. Et il nous semble que cette scission, si elle est poussée à son extrême, est extrêmement dangereuse pour le respect des droits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le contexte de tension sur l'emploi public dans un certain nombre de secteurs, qu'on pense évidemment à ce qui se passe dans les préfectures. Hein, aujourd'hui, on a, et je m'en rends compte chaque fois que j'échange avec des directeurs de services publics, on a une tension qui consiste à dire, écoutez, moi, avec les effectifs que j'ai aujourd'hui, je suis obligé de choisir entre traiter les demandes et recevoir les personnes, échanger, répondre à leurs demandes, et donc je traite. Parce que si je réponds, je traite moins vite. Et la question que je pose, c'est mais du coup, qui répond? Qui traite, qui échange, qui éclaire, qui informe sur les droits? Eh bien, on se retrouve avec un système de déport, de report de la charge sur les proches, le monde associatif, les délégués du défenseur des droits, parfois, et qui mettent un grand nombre d'usagers en grande difficulté. On a évidemment la politique des espaces France Service, qui est à la fois la réponse
apporter à cette difficulté d'accéder à un service public, mais qui est une réponse, j'allais dire, qui risque de n'être que de façade si le lien avec le service public qui traite les réclamations, qui traite les demandes et qui traite les droits des usagers ne se fait pas de façon fluide. Or, aujourd'hui, le constat est que ce service, la réalité de ce service et de ce lien reste très contrastée et que la séparation, lorsqu'elle existe entre la dimension de relation et la dimension de traitement, risque d'interrompre finalement et de ne pas permettre la relation de service public dans son ensemble et donc de porter atteinte au droit. Cette relation, elle nous paraît fondamentale, elle nous paraît faire partie de l'identité du service public, de l'attente légitime que l'usager peut avoir à l'égard du service public et être fragilisée aujourd'hui par cette séparation entre back-office et front-office lorsqu'il reste encore du front-office. Et je conclurai là-dessus en disant que l'avenir du service public, si je devais le résumer en deux mots, il sera positif, il existera s'il articule droit et relations, parce que c'est dans la relation de service public qu'est possible ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en œuvre effective des droits. On ne peut pas penser l'un sans l'autre, et c'est en tenant les deux enjeux que l'avenir du service public pourra être à la hauteur de ses principes et des attentes qu'on a à son égard. Je vous remercie.